Tout le monde paraît noir. Et nous avons demandé à nous, est-ce que nous avons voulu l'école encore? Est-ce que nous avons avancé? Qui ça pour nous penser? Qui ça pour nous espérer? Eh bien, c'est même Jean-Paul qui a dit, l'argent est l'argent, ou même qui n'a pas de corps, ou qui arrête comme ça. En plus, comme soit dit, quand vous voulez terminer l'école, vous n'avez pas jamais joué une chance encore pour vous terminer l'école. Nous comprenons ça, me dit. Ok. Non, sens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Merci. Ok. C'est sûr que le séisme du 12 janvier semblait vouloir dire que, à la classe basse, que si vous n'aviez pas l'opportunité d'envoyer votre école, votre enfant à l'école, c'est sûr que vous n'auriez jamais. C'était un moment aussi noir que ce moment a fait son apparition comme une lueur d'espoir pour les gens défavorisés, pour les faire savoir qu'il y a encore d'espoir pour que leurs enfants puissent aller à l'école et fréquenter une école qui a pour mission de prendre les nuls pour les faire devenir des capables et les capables devenir plus capables. Ce que je veux dire exactement, que la philosophie de Simono est de refléter l'image du Christ et éveiller le sens de la citoyenneté dans vos enfants. Et du même coup, d'émerger l'excellence dans leur sens de responsabilité et responsabilité à aider les autres et à aider leur environnement. Faut-il dire que ce n'était pas facile pour nous de mettre sur pied Esmono pour les aménagements, les locales, pour trouver des bons professeurs, des bons instituteurs pour confier ce tâche noble. Dans la machine d'Esmono, laissez-moi vous dire que il y a Dieu comme moteur, ok? En second, il y a Madame Mélissa, qui est comme une énergie pour marcher l'Esmono.